Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Megatest.fr, émission 15. Nous allons commencer, en fait j'ai trouvé le moyen de me transformer en super guerrier. Donc je vais vous faire découvrir ça en exclusivité. Par contre il me faut un petit peu de concentration. Je vous demande de patienter. Tant que je sorte mon énergie. Hein, la chance arrive là. Non, en fait, je déconne. On va enchaîner les tests avec trois jeux. On va commencer par un test de DGJX qui fait aussi une musique, enfin qui va faire des musiques de Super Castlevania 4 Reborn. Le test de Terminator sur Mega CD. Donc, Terminator sur Mega CD, alors pour vous raconter un peu ma vie, hein, histoire de vous raconter ma vie, j'ai découvert ce jeu à l'époque sur Master System, j'avais vraiment adoré. Même si aujourd'hui bah, il est un peu vide, hein. Enfin, il est court, tout ça. Et j'ai toujours rêvé d'y jouer sur Mega Drive. Et Mega Drive, la version Mega Drive qui passait sur les trucs de présentation, les cassettes, les VHS de présentation de la Sega Video numéro 1, c'était absolument fabuleux. Et là, quand j'ai découvert la version Mega CD quelques années plus tard, voilà, musicalement, graphiquement, tout ça, c'était l'éclat total. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur opus de tout support. Voilà, donc on va commencer par ce test-là. Après, on enchaîne avec un test sur arcade, de moi-même, qui s'appelle Night Slasher, un beat'em all où vous devrez fracasser du zombie. Et le dernier test par Isaac, donc Die Hard Trilogy sur PlayStation 1, qui va résumer les trois films, un jeu bien bourrin que d'ailleurs j'ai particulièrement apprécié en réenregistrant les vidéos, en faisant les captures, je me suis bien éclaté dessus. Voilà, bon bah on commence tout de suite avec The Terminator sur Mega CD. Sarah Connor. C'est à côté. Terminator Mega CD, comme son appellation l'indique, est tiré du film du même nom dont il reprend le background. L'intro nous met directement dans le bain avec des scènes tirées du film. On y retrouve également le thème principal sur l'écran titre. Au niveau des options, du pont classique, sound test, choix du niveau de difficulté et configuration des boutons. The Terminator sur Mega CD est un jeu d'action plateforme comme on les aime tant. Le support CD apporte les scènes tirées du film en plus de l'intro entre chaque niveau afin de mieux retranscrire et renforcer l'ambiance générale. La bande-son, 13 années 80, est l'un des gros points positifs incontestables du titre et l'ambiance de chaque musique alimente grandement le level design. Les bruitages, quant à eux, sont plus classiques. On y incarne le personnage de Kyle Reese, mandaté pour aller sauver Sarah Connor dans le passé. Le jeu démarre dans un futur apocalyptique, et on y voit déjà que les programmeurs ont pris des libertés par rapport au film, dès les premiers niveaux, et ce, pour notre plus grand plaisir. Les niveaux dans le futur sont au nombre de 3, et cela permet d'enrichir encore plus l'univers déjà riche de James Cameron en y apportant ce qu'il manque dans le film, des scènes plus poussées dans le futur. Les fans du film seront ravis de parcourir le développement de cet univers si sombre et pessimiste. Au bout de ces trois premiers niveaux, on affronte le Terminator pour la première fois. La confrontation se veut rude et rapide, mais une fois celui-ci terrassé, on est directement renvoyé dans le passé, direction les années 80. Quelques levels plus loin, on voit la mythique scène de la cabine téléphonique tirée du film où Kyle Reese consulte l'annuaire téléphonique pour retrouver Sarah Connor. Cela amène à une autre scène marquante du film, la rencontre avec Sarah Connor dans la boîte de nuit Le Tech Noir. Niveau gameplay, aucun problème, le personnage répond parfaitement. Un bouton de saut, un bouton pour l'arme principale et un bouton pour les grenades. L'arme principale peut être upgradée au fur et à mesure du jeu. Dans le futur, nous avons grenades et fusils futuristes à disposition. Dans le passé, ce sera cocktail molotov, fusil à pompe et mitraillette. Les ennemis passent de cyborgs et machines à divers punks et bandits très stylés années 80.
Le level design est très bien pensé et très agréable, regorgeant de zones secrètes un peu de partout. Les niveaux sont grands et variés et il faudra à de rares moments réfléchir à comment passer certaines scènes. Il faut toutefois faire attention aux ennemis nombreux et belliqueux, l'action est omniprésente. Les deux derniers niveaux se déroulent dans la mythique fonderie où vos talents de jeu de plateforme seront mis à l'épreuve. Ultime défi pour se débarrasser définitivement du Terminator et ainsi sauver pour de bon Sarah Connor. Mais ça me rappelle quelque chose cette musique. Ce Terminator Mega CD est la meilleure adaptation du film du même nom. Et ce tout support confondu, il s'agit d'un jeu typé Mega Drive où le support CD permet d'apporter une dimension nouvelle à ce type de jeu et inédite pour l'époque, via une bande-son riche et travaillée et des cutscenes du film. Cela peut paraître superficiel, mais l'atout est bien et bien là. Ajoutons que les temps de chargement sont très raisonnables dans l'ensemble. Si vous possédez un Mega CD, il ne faut pas vous priver de ce hit indispensable dans la ludothèque de cette machine, qui même aujourd'hui reste encore très agréable à rejouer et est trouvable à des prix très corrects aux alentours des 20€. La note Mega Test est de 89%. Alors, vous avez réussi à sauver Sarah Connor ou pas? Ou même, est-ce que ça vous a donné envie? Pour moi, vraiment, les musiques, je les trouve excellentes. Bon, peut-être, il n'y a pas beaucoup de musique, mais on va dire... Peut-être 60% des musiques du jeu, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Allez, on enchaîne avec Night Slasher, un beat'em all sur arcade, sorti en 93, si je me rappelle bien. Voilà, donc je vous laisse voir le test tout de suite, et j'espère que ça vous donnera envie d'essayer un petit peu ce jeu. Night Slasher est un beat'em all développé par Data East. Le jeu est sorti sur borne d'arcade en 1993. Pour les fans de mort-vivant et de jeux type Streets of Rage, c'est du bonheur. On fracasse du méchant zombie en masse et tout est fait pour nous plaire. Concernant l'histoire, en général on s'en fout, mais je vais vous la résumer. Le roi Zarutz veut transformer la Terre en renard royaume des morts. Vous ne l'entendez pas de la même oreille, et donc vous allez tout défoncer pour que le grand méchant Pabo n'arrive jamais à ses fins. Bref, vous mettez une pièce dans le monnayeur et appuyez sur un player, voire deux si vous êtes avec des potes, et là apparaît à l'écran la sélection de joueurs. Vous pourrez choisir entre Jack Hunter, un gars avec des bras cybernétiques que l'on peut comparer à Hagar de Final Fight. Il est lent mais puissant, il utilise l'élément de la foudre pour ses pouvoirs. Vous avez aussi Christopher Smith, un tueur de vampires européens, qui lui est situé à peu près au milieu, assez rapide et avec un bon punch. Il utilise l'eau et la glace pour ses attaques spéciales. Et pour finir, Ong Hua, une Bruce Lee qui défonce tout avec sa rapidité, mais à un point assez faible. Elle utilise, elle, l'élément du feu. Une fois votre choix effectué, le jeu commence. Vous êtes dans un van et écrasez pas mal de méchants. Ensuite, vous prenez la main et commencez à désinguer les monstres dans un hôpital. Enfin, ce qu'il en reste parce que tout est délabré. Déjà, la première chose qui frappe est que c'est assez détaillé. Les décors fourmillent de petites animations ou autres particularités qui vous plongeront dans l'ambiance morbide de ce titre. Le jeu est plutôt beau, mais sortant en 93, certains diront qu'ils auraient pu faire un effort, ce qui est quand même un peu vrai. Vous enchaînerez les décors avec l'hôpital, la forêt, le cimetière, l'entrée du château avec ses geôles et son ascenseur en corde, l'armurerie, la salle des tableaux qui est quand même bien galère, les remparts du château et ensuite ça devient un peu plus futuriste, avec un train, une décharge de véhicules et un laboratoire un peu bizarre.
Les ennemis se fondent bien avec la globalité du jeu et pour vous donner un exemple, les sacs mortuaires qui tombent du fond de l'écran pour laisser s'échapper les morts vivants sont d'un effet vraiment sympa. Les animations sont superbes et travaillées, que ce soit les coups ou les ennemis, le rendu est pas mal du tout. Mention spéciale, à chaque fois qu'un monstre meurt, une animation propre à lui s'enclenche. En général, il tombe en morceaux et disparaît. Pareil pour les boss. Parmi les coups disponibles, un seul bouton pour taper, mais bourriner dessus et tout s'enchaîne. Vous pourrez également faire des coups de pied sautés, mais surtout plomber les ennemis au sol pour ensuite les piétiner. C'est super pratique. Avec ce même bouton, vous avez également les projections et les coups de genoux ou de poing quand vous tenez votre ennemi. Le second bouton sert à sauter et le dernier sera votre pouvoir. Plus vous avez votre barre de vie pleine, plus il est dévastateur. Si votre barre est quasiment vide, vous ne pourrez pas l'activer. Encore une chose, si vous sautez et que vous utilisez votre pouvoir, il sera différent de celui du sol. Au fur et à mesure de votre progression, vous trouverez des mallettes qu'il faudra balancer contre des ennemis pour les ouvrir. Elles pourront vous donner de la vie, des points ou alors des objets Stinger qui vous servent à infliger pas mal de dommages pour votre prochain coup. Après certains stages, vous aurez des bonus comme un genre de tap-top où faudra écraser les zombies et un lancer de monstres un peu comme du bowling. Les musiques sont excellentes et collent bien au jeu. On dirait même qu'elles ont un rendu type Mega Drive sur certains sons utilisés. Les bruitages sont également pas mal du tout, les impacts sont bien ressentis. Le jeu est dans la bonne moyenne du beat'em all niveau longueur des stages avec 7 stages. Tous se finissent avec un boss et certains auront des demi-boss situés un peu n'importe quand. Bref, Night Slashers est un bon jeu bien bourrin, il vous prendra un peu de temps à défaut d'argent. Si vous êtes sur une borne d'arcade, la partie m'a bouffé environ 18 crédits en fonçant dans le tas. Ici sur la petite séquence de fin d'Onglua, elle rejoint sa sœur et on dirait grave Chun-Li avec les habits. La note Megatest est de 89%. Allez, le zombie fracassé, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je vous le conseille grandement, hein, que ce soit sur émulateur, ou même si vous arrivez à trouver une borne d'arcade avec ça dedans, ça peut être sympa. Voilà, bon, on enchaîne avec le dernier test. Donc, Die Hard Trilogy sur PlayStation 1, en espérant que le test vous plaira. Moi, j'ai beaucoup apprécié de rejouer à ce jeu, qui est bien bourrin, hein. Bien bourrin, bien fun, tout ça. Bon, c'est sûr, aujourd'hui, la vie graphiquement. Mais bon, c'est de la PlayStation 1, donc beaucoup sont encore amoureux de cette petite console grise. Allez, je vous laisse regarder le test. A tout à l'heure. Die Hard Trilogy est un jeu d'action sorti en novembre 96 en Europe sur PlayStation 1, Saturn et PC. C'est un jeu édité par Fox Interactive et développé par Probe Entertainment, à qui l'on doit plusieurs autres jeux tirés de films comme Batman Forever, Retour vers le futur 3 ou Alien Trilogy. On va commencer avec le premier film. Die Hard ou Piège de Cristal est sorti le 21 septembre 88 en France. Le film est une adaptation libre du roman Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, excusez-moi pour le bafouillage. Il a attiré 655 545 Français dans les salles obscures et un flic dans une tour de verre. Ce flic, c'est John McClane, lieutenant de la police de New York venu rendre visite à son épouse lors du réveillon de Noël organisé par son entreprise au Nakatomi Plaza. La première partie du jeu est un jeu de tir à la troisième personne. On commence dans le parking où John McClane, comme dans le film, a perdu ses pompes. Le but est d'éliminer tous les terroristes de chaque étage en sauvant les otages. Il faut donc parcourir la tour Nakatomi du parking jusqu'au toit. Le nombre de terroristes restants est affiché pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Un radar est également de la partie, ce qui est pratique pour se repérer dans le niveau. Le compte à rebours d'une bombe se déclenche lorsque tous les ennemis sont morts. Il faut alors la désarmer pour passer au prochain étage. Une fois tous les terroristes neutralisés, vous avez 30 secondes pour trouver l'ascenseur qui contient la bombe que vous désamorcerez.
Les ennemis sont nombreux et vous obligeront à faire des roulades pour esquiver les salles de tir, bien que vous ayez le temps de voir venir car un réticule de visée s'ouvre lorsqu'un bad guy est sur le point de vous aligner. En parlant de bad guy, ceux du jeu ont les visages des développeurs. L'intelligence artificielle est légère et il faudra faire attention aux otages qui courent de partout lorsque vous les libérerez. La difficulté est progressive et si le but du jeu ne vous posera pas de problème, ça se corse au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de Hans Gruber. Heureusement pour vous, des gilets pare-balles, des trousses à pharmacie et des hot dogs, une méthode de soins typiquement new-yorkaise, seront disséminés un peu partout dans les étages pour vous aider à faire votre job. En vous rapprochant des cloisons, celles-ci deviendront transparentes, ce qui vous permettra de débusquer les méchants ou les otages beaucoup plus facilement. Vous pourrez aussi en détruire certaines, ce qui est assez jouissif lorsque vous êtes armé de grenades ou d'armes lourdes. Des boss font aussi leur apparition dans certains étages, ils sont plus résistants et mieux armés que les autres, alors attention! On passe au second film avec Die Hard 2. On commence devant l'aéroport où John se prend un PV en attendant l'avion de son ex-femme. Mais John n'est pas rancunier et il va le prouver en s'occupant encore une fois des méchants terroristes infiltrés dans l'aéroport. Comme vous pouvez le voir, il y a un gameplay différent par film et cette seconde partie, à l'instar de Virtua Cop, est un rail shooter qui peut se jouer au pistolet, donc le gun de la PlayStation 1, ou à la manette. Vous pouvez par exemple utiliser le gun gun de la PlayStation. Comme dans la tour Nakatomi, vous commencerez avec votre Beretta de service, mais vous pourrez aussi trouver d'autres armes en plus de vos grenades et de vos roquettes. Tout ce petit arsenal vous sera utile pour détruire tout ce qui se présente. En effet, les décors sont destructibles et que ne ferait-on pas pour sauver New York, hein ? Comme le premier épisode, le jeu est sanglant, vous repeindrez souvent les murs avec le sang des terroristes ou des otages. Oui, car l'aéroport est bondé d'innocents qu'il faut veiller à ne pas tuer accidentellement. Allez, on enchaîne avec le troisième film, Die Hard 3. Une journée en enfer, c'est ce qui va vous arriver en jouant au troisième jeu de cette trilogie. Pas que le jeu soit mauvais, mais le temps sera contre vous. Le but du jeu, désamorcer les bombes parsemées dans la ville par un méchant terroriste, et oui encore, pour vous aider, un radar vous indique où sont placées les bombes, soit dans les poubelles, soit dans des voitures stationnées ou en circulation. Pour le désamorçage, autant y aller franco. En effet, la montre joue contre vous et le chrono vous mettra la pression dans les dernières secondes en occupant tout l'écran pour vous montrer l'aiguille des secondes qui défilent sous vos yeux. En cas d'échec, la ville sera rasée par l'explosion, ce qui vous arrivera souvent, la bombe explosera souvent juste sous vos yeux. Lorsque vous percuterez une bombe, un ralenti vous montrera l'explosion, puis vous filerez vers votre prochaine destination. Autant vous dire que vous n'aurez pas le temps d'admirer la ville ou de faire du shopping. Pour vous aider, divers items joncheront la route, temps supplémentaire, turbo, points. Vous pourrez aussi changer de véhicule en taxi au début du jeu. Vous pourrez prendre une voiture de police, ce qui sera bien utile quand vous écraserez des piétons qui traversent la route ou lorsque vous roulerez sur le trottoir. Les essuie-glaces marcheront à plein régime pour essuyer le sang des malheureux sur le pare-brise. Une troisième partie avec un rythme effréné de l'action non-stop où chaque seconde est précieuse, voilà ce qui vous attend. On regrettera la maniabilité un poil rigide, surtout lors des virages et le trop peu de droit à l'erreur. Bref, Die Hard Trilogy est un bon mélange de jeux d'arcade avec trois styles différents. Les trois jeux avaient plusieurs points communs, une bonne jouabilité, une bonne réalisation globale et une bonne bande-son avec des voix reprenant les répliques du film. Il réussit à démontrer qu'une licence bien exploitée peut donner de très bons jeux inspirés du monde cinématographique. La note Megatest est de 84%. Yippee-ki-yay! Et voilà, tout est terminé. Tout est fini. Fini. Tout est fini. Non, c'est pas fini, je déconne. Je voulais peut-être faire des astuces, mais bon, j'ai pas eu le temps. Ça fait déjà 2 mois que je dois sortir cette émission, donc je suis vraiment désolé de ce retard. J'aimerais bien essayer de me contenir à au moins une émission par mois, mais j'ai pas le temps. C'est entre Super Castlevania 4 Reborn, entre Megatest, les émissions avec... aujourd'hui, y a un gamin dans ma vie. Y a une femme aussi, hein, bien sûr, mais voilà, il y a la famille, il y a le... Il y a une maison, tout ça, donc c'est un problème de riche, on va dire, hein, s'occuper de la maison. Voilà, bon, écoutez,
de toute façon, je suis là, je continuerai de faire des petites vidéos. L'émission 16, je vais essayer de faire l'émission 16 pour le mois de mai. Parce que début mai, je pars en vacances et j'aimerais bien faire tourner une émission sur mon lieu de vacances. Voilà. Donc, il faut que je décide des jeux. Je vais peut-être faire un petit sondage pour vous demander qu'est-ce que vous voulez tester. Comme ça, ça peut être intéressant. J'avais déjà pris 3 jeux. Donc, pourquoi pas recommencer. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et après, je demanderai à DGJX et à Isaac s'ils veulent réaliser des tests encore. Parce que moi, ça m'aide beaucoup déjà pour mes tests. Donc, je les en remercie énormément. Et ensuite, bah, ça permet de diversifier un peu les avis. Voilà. Et surtout, peut-être. Ils me font découvrir des jeux que je n'ai jamais testés, auxquels je n'ai jamais joué. Donc c'est toujours un point très positif pour ça. Voilà, bon allez, je vous laisse tranquille. Et je vous dis de toute manière à très bientôt pour une prochaine émission, une vidéo de gameplay, pour danser la tectonique ou ce que vous voulez sur megatest.fr. Allez, salut! I'm gonna go get some more.